Yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolos et les ringards qui jouent toujours à la Neo Geo dans le futur où nous sommes. Bienvenue sur une nouvelle session. Aujourd'hui on va faire du versus fighting avec Zach. Zach qui est avec moi, comment que tu vas mon Zach? Bonsoir Jay, salut tout le monde, bah écoute ça va, hâte de faire ces seconds couteaux. Ah là là, on va passer un bon moment, on va bien rigoler, voilà. Donc aujourd'hui on va jouer à ce que la Neo Geo c'est la console aux mille et un jeux de baston. Il y a des jeux de baston qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont bons aussi mais peut-être un peu plus en retrait. Et bah justement c'est à cela qu'on va jouer aujourd'hui, on va les mettre en avant. On a une belle petite sélection de jeux les gars. Zach, il y a combien de jeux? 10 jeux là c'est ça? Il y en a 10 ouais. Voilà, on vous a concocté une petite sélection de 10 jeux. Donc ça va aller vite les gars, hein. On va enchaîner, on va lancer les ROM une par une. On va se faire quelques matchs, deux matchs par jeu. Et puis voilà, puis on va enchaîner, puis on va faire un petit stream tranquille. Alors, salut mon Iceman, mon Julien, Dark Twins, mon Jérôme, mon Arty, Chibro, DB Wars, mon Descartes, comment tu vas mon Descartes? Le Super Soussou, comment il va mon Super Soussou? Croatoine, Pierre Leloup, Mongiani, Arnaud, Sebral, mon Harold, 16e mois d'abonnement, mon Harold. Le Harold qui est là, voilà, qui est le pilier, hein, qui est un pilier, hein, il est là depuis le début. Alors, fais gaffe, c'est signe de vieillesse, la ponctualité à partir de 17-18h. Ah non, moi je suis toujours ponctuel, Chibro. La ponctualité, c'est une marque de respect. Enfin, c'est mon avis. Hein. Alors, masqué du 14, salut, salut Gremlin, salut Yann. Toc toc Montana, Dark Twins, yes, merci Dark Twins pour le réabonnement. Voilà, arrivé tranquillement les gars. Toc, bah du coup moi voilà, on va passer en partage d'écran hein, parce que là vu qu'on va lancer plein de jeux pêle-mêle. Voilà, on va pas s'emmerder à remettre la fenêtre à chaque fois. Donc là on va commencer par Galaxy Fight. Je te challenge mon Zach, c'est parti là. Oui, vas-y, allez, on y va. Allez, on y va. On va se faire donc Galaxy Fight, hein, le seul jeu de Sunsoft. Ah non, il y en a peut-être d'autres. Mais enfin, du Sunsoft sur Neo Geo, c'est pas très courant. Montana qui offre un abonnement. Yes, ça fait plaisir. Salut Astéro. Voilà, salut la mort. Comment que ça va les gars? Alors, toc toc. Welcome to Paradise. Ah non, je connais pas ça. Mon Greg. Mon Riddick, comment tu vas mon Riddick? Alors, player 1, voilà, donc toi, oui, t'as déjà pris... Ah merde, c'est pas lui que je voulais. Attends, je vais faire un petit F3. Voilà, ouais, parce que j'y ai joué il y a pas très très longtemps, là, il y a quelques semaines, à ce Galaxy Fight. Voilà, on est reparti. Sunsoft, voilà, 95. How to play. Ça se joue en 3 boutons. Tiens, faut que t'appuies sur Start, Zach. Bah, j'ai appuyé dessus. Ah, c'est le reset. Attends, c'est le reset qui a fait merder le truc. Attends, bouge pas. Attends, je te re-challenge. Voilà, on va y arriver là. Salut Onimusha, salut Vincent. On reprend que c'est de la baston là. Oui, ah bah là c'est de la baston, ça va aller vite. Moalf le pro, bam, qui arrive et qui offre 5 abonnements. La mort, merci pour le prime. Ouais, ça va être session versus là. Salut Moalf, comment que tu vas? Bisous à toi Moalf, tu déchires. Le Alf qui arrive, il casse tout. La meuf t'es pas mal, je crois. Sinon t'as lui, la Rolf là, qui fait un peu Ken Ryu. Alors j'ai ressorti le C64 mini, ouais, depuis la mise à jour, c'est un bonheur de dingue. Ah bah c'est bon ça. C'est quoi comme jeu? Ça va être que du versus fighting les gars. Mais du versus fighting pas très... pas forcément très connu. Donc moi je suis la meuf. Voilà, à gauche. Zach. Alors regardez la caractéristique de Galaxy Fight. C'est qu'il n'y a pas de... Vous voyez, les arènes sont infinies. Vous voyez, on peut reculer, on peut avancer à volonté. Les arènes sont infinies. Donc c'est un peu curieux. Alors vas-y mon Zach, on va y aller là. C'est très particulier hein, graphiquement, c'est pas moche. Ça existe sur PS1 aussi, PS1 et puis Saturn hein, les gars, même en PAL hein. C'est sorti en PAL ça hein. Voilà, ça coûte moins cher sur Neo bien évidemment. Enfin quoique, à vérifier. On a fait la narque tous les deux. C'est la provocation, ouais, ça, ouais. C'est le bouton. Alors attends, je sais même plus comment elle joue elle. Voilà, faut que je retrouve les coups. Ah, time over. Ah, je gagne, à un pixel je gagne. Yes, 52 les gars, salut mon Halloween. Salut tout le monde, prenez le temps d'arriver. Nous on se chauffe déjà. Voilà, ben ça va vous permettre de découvrir des jeux qui sont un peu moins mis en avant. Alors, mais qui ont des trucs à proposer, vous allez voir, hein, franchement. Alors voilà, Dragon Punch. Yes, voilà, c'est ça. Ah, il faut que j'enlève la petite souris là, voilà le curseur.
J'aime bien les bruitages. Les bruitages, ils ont un bon impact. Voilà, série de coups de pied. Ça, c'est un caravan, ça. Vous voyez les inputs, les gars. Donc, il y a trois coups. Hein. On a un coup de poing, coup de pied, puis un coup fort avec le C. Le D, c'est la provoque. Ah, Gianni, non, il est méga hard. Hein. Il est méga hard, hein, ce Galaxy Fight, mine de rien. Oh là là, attends, deux secondes, qui c'est qui va gagner là? Ah, c'est toi! Ah, tu m'as gratté là! Avec la boule de feu, je me suis mis en garde. On était ex-aequo normalement. Lowin, j'entends pas le son du jeu. Alors attends, bouge pas, on va monter un peu le son, les gars. Alors, voilà, paramètres de son. Attends un petit peu, mon Zach, s'il te plaît. Voilà, alors. Tiens, ça doit. Ah, bah c'est ça, Fight 4. Voilà. Toc, on va monter un tout petit peu, les gars. Voilà, vous me direz c'est mieux. Hop là, je remets la fenêtre de jeu. C'est bon, on peut y aller. Salut mon Golgoth! Le Zach il va doucher le DGJX. Ouais, bah c'est, ouais, ça va dépendre des jeux, hein, on va voir. Il y a des jeux, ça risque d'être kiff-kiff. D'autres, ça va être serré. Après, c'est pas des jeux qu'on connaît forcément bien avec Zach. Hein. Donc là, ça va. C'est du stream, on va jouer sur nos acquis, les gars. Hein. Voilà, salut Azuka! Comment que ça va? Ah merde, j'ai loupé le Dragon Punch. Bam, ça y est. Oh bah là ça joue basique. Hein. C'est quand même jouable. Le jeu est jouable les mecs, hein. Franchement il y a aucun problème. DB Wars, il y a du sidekick, mais t'as pas vu le titre. On a dit session Neo Geo, les second couteaux. Donc second couteaux c'est les jeux de baston. Alors, bah du coup je fais pas F3 mon Zach, parce que vas-y fais start. Si je fais F3 on va être des synchros. Ah vas-y prends... Ça marche pas là, t'as pas mappé le start? Bah attends, c'est peut-être les crédits, alors attends. Salut Phil Roby! Vas-y, on met du crédoc. J'ai remis du crédit là. Voilà, essaye de revenir. Si ça marche pas, on lance. Non, c'est le bouton start. Voilà, c'est bon. Impeccable. Pourquoi. Du coup, bah oui, je peux pas changer moi. Voilà. Ah, le ninja, il est pas mal, je crois. Salut Edolinx! DG Grand Seigneur, il laisse gagner de temps en temps ses invités. Ah non, mais le Zach, attention. Salut sous surveillance, comment que tu vas? Mon Fixo! Mon Fixo qui arrive et qui offre deux abonnements. Oh là là, merci mon Fixo. Sous surveillance, je viens de voir ton test de Paprium. Ah, tu l'as acheté? Tu l'as eu, non? Tu as joué? Alors, salut mon Clément. Comment que tu vas mon Clément? Dommage, on n'a pas pu changer de décor. Donc, car avant, voilà, ça me fait cette série de coups de pied. Voilà. Car arrière, ça fait le Dragon Punch. Si je fais Dragon Punch avant, ça fait ce coup sauter. Elle est bien la fille, hein, franchement. Ah, l'antillère. Ouais, je l'ai. Ah ouais, tu vois le Dragon Punch, il est pas entière ce Dragon Punch putain. Mais la fille elle est forte là, celle que t'as prise là. Non mais j'arrive pas à y jouer. J'arrive pas à bien m'en servir. Elle saute haut en plus. Ouais. Je veux voir le trap de la hype level 4 SVP là. Bah je crois qu'il y a un trap d'hype qui est passé là. Après j'ai pas vu Bah si il est là regarde niveau 4. Niveau 4 0% mon Fixo. Alors bah, tu veux je te laisse voir les coups Zach. Vas-y là. Non, mais non, mais c'est pas grave. C'est bon là. De toute façon, on va changer. On va pas s'attarder dessus. On va changer de jeu après là. On va changer de jeu, ouais. Parce qu'il y a tellement mieux. Ouais, après, c'est pas dégueulasse, hein. Franchement, ça passe, hein. Non, ça passe, ouais. Mais il y a pas trop de fun, je veux dire. Non, enfin, je veux dire, le jeu tel qu'il est, ça va, il y a pas de soucis. Mais mon Zach, si tu veux tenter de le faire en 1cc, celui-là, bonne chance, hein. Parce qu'il est, il est hard. Non, merci. Il est hard de ouf. Mon Riddick qui en a fait un abonnement à Jérôme. Yes, merci, mon Riddick. Ça fait plaisir. Alors non, j'ai pas acheté, j'hésite à acheter la version Switch, je veux pas Prium. Mais vu le peu de communication, ça fait peur. Ouais, après la version Switch, bon, faut voir le prix que ça va coûter. Hein, sous surveillance, après, comment dire, faut voir aussi déjà si ça va sortir, hein. Donc si ça sort, alors attends, c'est qui? Ah, c'est moi qui gagne, d'un pixel, là. Bon. On change, allez. Mais après, voilà, la version Switch, elle sera touchable, et puis, enfin, pas aussi rare que la version Mega Drive. Voilà, puis ça sera disponible en démat aussi, je pense. Astéro, non, Breakers, non, on va le faire sur un autre stream, je pense. Salut mon Olive, salut MJ23 Boule. Allez, est-ce qu'on change de jeu, mon Zach? Ouais, on change. Allez, donc ça c'était Galaxy Fight, lequel tu veux qu'on fasse là? Waku Waku 7? Kabuki Clash. Kabuki Clash, allez, c'est parti là, Kabuki Clash. Voilà, je suis dans la room, je t'attends. 71, bon bah ça c'était le premier jeu, hein, Galaxy Fight, je l'ai, hein. On l'avait streamé d'ailleurs, hein, quand on avait fait une session Neo Geo. Voilà ce que je l'ai derrière moi, celui-là. Salut le Zolt, comment tu vas? Ludo! Paul, à cause de toi, j'ai craqué pour Cyberpunk. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, j'ai passé presque tout l'après-midi dessus. Hein. Franchement, là, j'ai le DLC en plus, là, le Phantom Liberty. Bon,
Phantom Liberty, voilà, je vais attendre de le finir pour émettre un avis, mais c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. DB War, je connais aucun de ces jeux. Ah bah justement, le but c'est de les découvrir. Ah oui, alors attends, faut que je fasse le mapping là. Voilà, faut que je mappe les touches. Alors, coin, start. Voilà, comme ça, là, les gars, vous voyez toutes les coulisses. Alors, vous êtes nombreux à me poser la question, hein, à me demander quel logiciel on utilise avec Zach, hein, pour jouer en coop, comme ça. Bah, c'est FightCAD, les gars. Salut, Cartissu. Oh, Nigel. Comment tu vas, Nigel? Voilà, les coups de pied. Ok, c'est bon. Bon, on peut jouer. Alors, on a deux fois le même perso, mais c'est pas grave. Kabuki Clash qui existe que en Jap, hein, les gars, celui-là. Voilà, c'est pas mauvais, mais... J'ai pas pu choisir le personnage que je voulais, mais... Hein ? J'ai pas pu choisir le perso que je voulais en faisant les inputs, mais c'est pas grave. Bah vas-y, on relance, mon Zach, attends. Je quitte. Voilà, je quitte, attends, je te re-challenge, parce que là, les inputs sont faits. Voilà, ça va le faire. Salut SNK, salut Herbert ! Le DLC toujours en dessous du jeu principal. Ah, attends, Harold, parce que je donnerai un avis quand je l'aurai fini. Voilà. On va dire que le début est bon. Le début est bon, mais peut-être pas aussi bon que l'histoire principale. Oh, je vais prendre de gros bœufs, là. Voilà, mais là, ça va commencer à décoller, mon Harold, là, de ce que j'ai vu cet après-midi. Donc, je vais attendre de le terminer pour émettre un avis global dessus. Mais en tout cas, ça reste à minima très bon, hein. Voilà. On est très largement au-dessus des merdes actuelles qui sortent, hein. Barre de magie en bas. Alors, voyons voir comment il se joue ce Kabuki là. J'essaye des quarts de cercle. Bah lui, ah ok. Ouais, ça marche pas les quarts de cercle. Ouais, si, là tu vois, je vais faire Dragon Punch avec lui là. Un putain de gros anti-air là. Moi je me suis loupé là. Ouais, attends. C'est beau hein, c'est joli hein. Mais après, voilà, c'est pas. C'est pas ouf, ouais. C'est pas fun. Ouais, c'est pas ouf, voilà. Hein, mais c'est pas beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, RoTK, AP Shanks. Oulala, ce blaze. C'est basé sur Tengai Makyo. Oui, c'est ça. Hein, c'est un jeu tiré d'un manga, exactement. Le Kabuki Clash. Tengai Makyo Shinden, il s'appelle le titre Jap. Le Zach. Les furies, je sais même pas comment on les sort. Alors, on parle de quel jeu là? Bah, du Cyberpunk, mon Descartes là. Voilà, parce que là, j'ai le DLC aussi là. Je suis. J'alterne le jeu principal, le DLC en fonction des quêtes que je fais, tu vois. Mais les gars, mais y a même des quêtes, enfin, des quêtes secondaires, les gars, mais c'est d'un niveau d'écriture, mais c'est un truc de fou, quoi. Même pour des petites quêtes secondaires, c'est ultra chiadé, hein. J'aime bien Kabuki, c'est beau, c'est du manga, mais ça casse pas trois briques à un canard. Bah, c'est ça. Vas-y, mon start, mon Zach fait start là. Ah, mais Descartes, il est exceptionnel. Faut m'appeler Rodka, ça marche, Rodka. Ok, bon bah ce sera plus simple, Rodka. C'est à chaque fois que tu relances, il faut que je reconfigure pour le start et les ouais. Crédits. D'accord, moi c'est pas grave. Vas-y, tu me dis, c'est bon. Bon, il veut toujours pas. Celui-là, je l'avais passé à mon magasin, je l'avais eu, Kabuki Clash. Complet, je le vends. De mémoire, je crois que je le vendais 180€ à l'époque. Ah, c'est pas toi qui j'ai là, qui jouais, Zach, là. Je crois que c'était toi. Non, c'était pas moi, non. Donc du coup, ouais, j'en avais profité pour y jouer un petit peu, mais je l'avais pas trouvé. Je l'avais pas trouvé exceptionnel. SNK, Cyberpunk, pareil, tu m'as bolossé, génial. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est extra. Hein. C'est extra. Alors, Ludo, ouais, je sais pas si j'ai pas vu passer ton message. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo, là? T'es à fond dans le Cyberpunk, là? Ah oui, alors attends. Oh là, y'a pas de pitié avec le Zach, là? T'as, mais l'allonge du pied, zéro. C'est Garfield sur NES, quoi. Ok, oh, je vais me faire détruire, là. Le Zach il va se venger là. Salut Waroni. Donc tu vas Waroni. Alors Waroni, est-ce que c'est toi Varuka? Parce que le blaze est pas très... Voilà, ça commence un peu pareil. C'est un peu des versus aux F de l'époque. Ah oui, complètement. Azuka, complètement, ouais. C'est un coup à la Aomaru. Celui-là, ouais. Ouais. C'est la même chose, hein. Ah bah le perso que toi, ouais, on dirait, ouais. Ouais, voilà, ouais, t'as vu. Mais vous allez voir, il y a des belles surprises hein, dans les jeux qu'on va vous montrer. Là, on part crescendo, hein. C'est-à-dire, on part des jeux peut-être on commence par les pires, là. Voilà, les moins intéressants pour arriver sur des jeux qui valent vraiment le coup, hein, vous allez voir. Pas du tout, bah ça marche, Waroni, comme ça. Je saurais que vous êtes deux personnes différentes. Putain, les coups, putain.
Y a pas de chop, bordel, comment on fait les chops là? Ah ok, baisser en même temps pour faire un gros coup. Ah non, tiens, ça va. J'ai envoyé mon arme là. Bon, je vais me faire déchirer. Voilà, le Zac va pas me laisser récupérer. Ah non. Ah ça y est, je suis stun. Poison. Ouais, vas-y, on va changer parce que ouais, il est vraiment pas ouf, hein, putain. Ouais, non, on est d'accord. Le seul truc que j'aime bien dans Kabuki Clash, c'est l'intro. Bon, on l'a pas vu ici, mais l'intro, elle est cool. Waku Waku Seven, regardez, il y a du monde, les mecs, hein. Il y a deux mecs là. Voilà, je t'attends, Zac. Il y a deux mecs qui jouent. Tiens, le voilà, le Zac. Waku Waku Seven, c'est pareil, celui-là en principe, c'est pas exceptionnel, les mecs. Ah, il y a Go Kaiser aussi, on l'a oublié celui-là, mon Zac. On verra peut-être. Ouais, mais c'est une dope celui-là. Ouais, ouais, il est pas terrible. Mais c'est même pas envie. Ouais. Waku, il est fun. On verra pourquoi pas. Alors, bah, on va voir, moi, SNCam. Alors, pareil, je vais refaire les inputs vite fait. Parce qu'on a pas lancé chaque jeu avant. Hein. Voilà, toc toc. Toc toc. Tous ces jeux-là, j'y ai joué, moi, début 2000. Hein. J'ai mon pote Bistorbad à Bordeaux qui avait quasiment tous les jeux. Donc j'ai eu l'occasion de à peu près tous les essayer hein, sur Real Hardware, hein, sur AES. Il a craché le jeu ? What the fuck ? Non, c'est pour relancer. Ah, d'accord. Alors c'est attends. Pas pour les inputs. Hein. Ça marche, attends, on le remet, Zach. Va, je te challenge. Go Kaiser, c'est le côté obscur de la force, ouais. Le Waku, ouais, on va voir qu'il est niveau réel, il est pas mal, Waku, ouais. Ah, il est mieux déjà. Alors. Pourquoi je peux pas bouger là ? Attends, fort. Bah il a pas gardé en mémoire mes inputs ce con là. Alors. Voilà, toc toc. Bon alors. Moi c'est bon. Voilà, ils sont chelous les persos là. Oh vas-y, je vais prendre le militaire là. Il a l'air chelou. Alors mon fixo, bravo d'avoir monté le train de live au level 4. Ah il est au level 4, ouais ouais. Toi t'as une copie de Setsuna toi. Mon Zac là. Graphiquement ça ressemble à Kabuki Clash un peu mais. Il y a peut-être moins de couleurs encore. Oh les dash ça rigole pas là. La musique elle est chelou. Bon comment il se joue ce mec là? Ok, caravan là. Ok. Est-ce qu'il y a des Dragon Punch? Ouais ok. Oh il est chelou ce mec. Ouais c'est un peu raide hein. Putain les gars, c'est un petit peu raide à jouer. Waku, c'est anime 90. Ouais, ouais, c'est tiré d'un manga aussi, ça. Alors, oulala, le Zac. La remontada sur le Zac, les gars. Ah, c'est vraiment basique. Là, on est en train de jouer du brutal. On est en train de faire du brutal, les gars. Oh, bam, allez. Oh, la remontada. Et c'est une cam, pas beaucoup de perso. Hein. Non, non, y a pas beaucoup de perso. Hein. Y a pas beaucoup de joueurs de ce jeu-là non plus. Hein. Celui-là, il est sorti qu'en Jap, hein, les gars. Il n'existe pas en US. Enfin, pas à ma connaissance. Bon, après, ça se laisse jouer, hein. Mais celui-là, il n'y a pas eu de... Tiens, mais Olive, là, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des conversions console de celui-là, là? Je crois pas, hein. Peut-être PS1, mais c'est pas sûr. Et la musique, elle est chelou, hein. La musique, elle est assez chelou. Oh là là, voilà. Rodka Saturn, point d'interrogation. Ah, je sais pas. On est 82, c'est une bonne année. Ah, bah voilà, mon Harold. Saturn Jap, tu dis Astéro, d'accord. D'accord. PS1 Jap aussi, peut-être, les gars, non? Eh, mon coup, il t'a rien fait perdre, hein. T'as perdu 2 pixels. Bon, alors. Oh, le dash avant, mais il est inutile. C'est vraiment un sous-setsuna que t'as à mon Zac, hein, putain. Oh là, le Dragon Punch là. Oh là là, ça va se jouer à rien, ça va se jouer à une claque. Ça joue boule de feu. Ah, bien joué, mon Zac. Le Dorn. Comment tu vas, mon Dorn? Et c'est une cam, je prenais le chat, le tank aussi. D'accord. Bah les gars, moi franchement ça fait genre ouais quasiment pas loin de 25 ans que j'y ai pas joué à ce jeu là donc. Et puis il m'avait pas marqué du tout. Voilà, on comprend pourquoi. Hein. Bon après c'est pas.
Voilà, c'est pas une daube non plus, hein, soyons clairs les mecs. Non, hein. C'est pas une daube, mais il y a mieux quoi. Voilà. Bah, il y a beaucoup mieux, hein, sur Néo. Bon, bah voilà, allez hop, ça déchire. Bon, Mozak, est-ce qu'on change de jeu là? Parce que là. Oui, allons-y. Olive, effectivement, sur Saturne, d'accord les mecs. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu suivant, mon. Mozak? Matrimêlé. Matrimêlé? Allez. Ah, je l'aimais pas trop celui-là. Les gars, Matrimêlé. Les gars, Matrimêlé. Pour vous dire, il était bradé dans le Neo Store. Il était bradé à 180$. Et il restait peut-être 300 copies en stock. Hein. Ils arrivaient pas à se vendre. Salut la belette! Et j'ai joué chez mon pote Mister Bad. C'est la même réalisation que Rage of Dragon. Bah alors, le jeu, il était raide. Il était raide à jouer, putain. Oh là là. Par contre, vous allez voir, au niveau du son, c'est quasiment un des meilleurs jeux Néo au niveau du son, les mecs. Hein. Le son, vous allez voir, c'est exceptionnel. Hein. Salut mon Laurent! Comment que tu vas? Alors. Voilà, ça charge là. Problème. Non, c'est bon, ça charge. Toc, voilà. Non, moi, j'ai un problème avec la ROM, je l'ai pas. Ah, apparemment, j'ai un message d'erreur. Ah ouais, il y a eu erreur, effectivement. Bon, si tu l'as pas, on change de jeu au pire, hein, mais... Bah attends, je regarde 2 secondes. C'est bien le FC2, ouais. Normalement, c'est FC2, ouais, t'en foire. Sinon, on en met un autre, hein. Vu qu'il y en a plusieurs. Bah sinon, tu peux aller en FC1 parce qu'il me le télécharge, là. FC1, allez, c'est parti, là. Voilà, toc, voilà, hop, bah ça oui. Ça va prendre un peu de temps, là, je suis à 7%. Non, mais c'est pas grave, ouais. C'est bizarre. Salut, Benjamin, comment tu vas? Non, mais ouais, c'est des petites ROM, hein, je veux dire. Là, on télécharge pas des jeux. C'est pas des mises à jour sur PS5, les gars. Quelle année, Waku? Bonne question, Harold. Le Waku, je dirais, à vue de pif, 96-17, par là. Dans ces eaux-là. Alors, SNCAM, 96, voilà, il me semble. Ouais, normalement, ça doit être ça, hein, 96-17, on est dans ces eaux-là. C'est 96. 96, voilà, ouais, donc tu vois, j'étais pas loin. Hein. J'ai vu juste. Donc, voilà. Ça va prendre un peu de temps, je pense qu'on va essayer de faire Double Dragon en attendant. Non, bah attends, sinon, attends fort. Parce que là, franchement, ça prend un peu de temps, quoi. Ouais, bon, vas-y, tu veux, on met Double Dragon? Allez, Double Dragon. On peut mettre Double Dragon en attendant, ouais. Double Dragon, FC2, je vais dans le FC2, là. SNCAM, ouais, tu confirmes, 96, voilà, ok. Voilà, vas-y. Ah bah, je suis même pas arrivé, il y a un mec qui me challenge, quoi. Et non, mais du calme, bordel, là. Regardez, il y a du monde qui y joue, les mecs, hein. Ah, ce double dragon, mais je sais qu'il y a du... Il a ses petits amateurs, hein. Ouais, moi, je suis pas très fan, d'Orn, du double dragon, là. Alors, donc là, c'est pareil. Voilà, je vais faire easy boot. Alors, sache. Ah, pourquoi ça a craché là? C'est toi qui as quitté, Zach? Excuse-moi, en fait, j'ai accepté. Il y a un mec qui a. Je croyais que c'était toi. Ah bon? Ah, bah ça devait être l'autre là. Le Raymond machin là. Le mec, il a faim là. Et... Ah ouais, directement là, je croyais que c'était toi. Et puis bam, hein, en fait, c'était quelqu'un d'autre. Le mec, il a faim. Il saute sur les nouveaux venus là. Donc, oui, il faut savoir que ce double dragon, les gars, il est tiré du film. C'est le versus fighting adapté du film. Et d'ailleurs, quand on lance le jeu, il y a une petite cinématique du film. C'est assez incroyable. Eddie, Rebecca... Merde, c'est pas ce que je voulais. C'est pareil, je vais prendre Rebecca, on s'en fout. Non, vas-y, on relance. On relance, allez. Parce que moi, je veux jouer qu'à Bobo, moi. Alors, attends. Voilà. Non, c'est bon, là, c'est bien toi, voilà. C'est bon. Un débarre. Alors, c'est quoi déjà le versus à 30 000 boules? Vous allez jouer à 300 000 boules. Bah, Double Dragon, il vaut cher, ouais. En US, il vaut cher. Bon alors, mais putain c'est pas vrai, il a pas gardé mes inputs en mémoire. Bizarre ça. Bon je vais les refaire, c'est pas grave. Le dragon en US je crois qu'il fait 8000. Ah bah il est introuvable. En Jap il se trouve, mais en US il est introuvable. Alors bon bah j'ai pris Billy, c'est pas grave. Bon c'est pas grave, bon Zach, on va se taper là dessus puis on changera de perso après. Voilà. Bon là on est en 95 je crois, hein. 95 ouais. Ouais voilà. Ça se voit, c'est de la vieille réal. C'est de la vieille réal, mais c'est pas dégueulasse. Hein. Oh, t'es en train de me déchirer là. Alyssa Milano dans le film, ouais, seul intérêt, ouais. Ah, je m'en souviens même plus. Le film, je l'ai vu à l'époque. Et puis, plus jamais revu depuis après. Hein. Oh là là, c'est une copie de Street Fighter, les mecs. Regardez-moi ça là, hop. Le Zad qui se transforme en Super Saiyan. Je peux. Oh, les juggles. Mais je sais qu'il a ses fans ce jeu. Hein. Dans l'intro, on voit Robert Patrick, exactement. Il y a des gens qui veulent se friter sur Dragon, c'est ça mon livre, ouais, c'est un truc de fou, ouais. Mounir, quand tu vas, j'avais joué à Dragon, ouais. Je régulièrement les salles de jeu, ouais. Moi, je l'ai pas vu en arcade, je sais que ça existait sur Néo.
Voilà, bon bah là c'est le Ken et Ryu, hein, je veux dire. Hop. C'est Shoryuken, Dragon Punch, Boule de Feu. Counter. Je sais même pas comment t'as fait ça là. T'appuies sur les 4 boutons. D'accord. Bon bah voilà, hop. Quand ta charge en haut, t'appuies sur les 4 boutons. D'accord. Olive, DGX, le jeu est pas si mal. Ouais, mais j'en avais pas un mauvais souvenir hein, de ce dragon. Il est mauvais, mais il est très très dur. Ouais, je suis pas très fan. Ouais, ouais. Mais on voit que ça a pas la finesse d'un coffre ou. Voilà, c'est pas le même crafting. Hein. Merde, je voulais faire la chope. Oh, ça joue basique, les gars. Ouh. Les 4 boutons, voilà, c'est parti. Super Saiyan. Oh là là, le Zack il m'a déchiré. Alors, rien du tout. Requin, salut requin, quand tu as. Péter le bureau, enfin perso GX pour ça, ouais. Ouais, mais si tu parles du Carnov, on va le mettre après Carnov. Alors attends, je vais essayer de prendre à Bobo là. Il est où à Bobo là? Dans le film, c'était n'importe quoi à Bobo. Ah, Burnov, voilà, c'est lui, Burnov, d'accord. Ah, je vais prendre à Bobo. Ah, Burnov, ouais. Alors, charge, ok. Je peux. C'est un ninja qui ressemble à Joe Musashi de Shinobi. Ouais. Non, il est lourd, ah, le à Bobo. Bam! Oh la vache, l'entière! What the fuck? Comment j'ai fait ça? Je sais même pas comment j'ai fait ça, je te jure. Oh putain, le perfecto Zack! Oh la vache! Alors, je vais t'apprendre la vie sur Fighting Spirit de Jaleco. Oh bah, si tu veux, Olive, hein, parce que celui-là, je le connais très peu. Allez, le Zack, il va se venger! Ah ouais, grave. Ça va pas se passer comme ça. Non, c'est pas possible. Ah, ok, je sais même pas comment j'ai fait ça. Merde, je voulais faire la charge moi aussi. Ça marche pas, les 4 boutons là, allez. Ah, je suis stun, bon bah voilà. Le Zack s'est vengé les gars. Il reste un round. Jérôme, GG pour les musiques de Kirito mon requin. Eh bah oui, c'est requin qui fait les... les musiques de Kirito The Game. Voilà. Bam. Ouf. Ok. Ouais là. Quel bourrin. Ouais, il fait mal hein. Ouais. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain, heureusement que t'as fait ta charge. Putain, marche pas ma charge, moi les 4 boutons ils marchent pas là. Oh putain, tu m'as niqué avec des boules de feu là. Alors on va faire un dernier, je vais prendre Burof là. Comme suggère requin. Ah c'est un autre bourrin là, ouais. Ouais. Olive, la qualité de Jaleco, Rushing Beat, justement, ouais. Alors. Burof, charge spéciale. Ah oh bah ça va, il a dessiné un mec à charge. J'aime bien. Les mecs à charge, je les aime bien en général. Allez mon requin, c'est pour toi là. Oh ce gros lard, putain. Putain, on dirait un mec qui sort de Ken le survivant, quoi. Oh la violence du rush, putain. Oh la vache. Ah oh, il rigole pas lui, hein. Oh ce jeu de bourrin. Oh la vache! Burnov est trop fort! Ah bah putain, mais il est abusé mon requin là! En plus, il est dur lui contre le CP. Burnov! C'est abusé. Bon. Si il chope, t'es dans la merde. Ah bah. Il a pas... ouais, il a pas beaucoup de coups. Voilà, ouais, je peux. D'accord, ouais, il est pour les 4 coups. Ouchouken! Allez, mon Zack! Bam! Voilà, suplex! Le gros lard t'a fait le suplex! Mais d'où je suis stun là? Oh là là, oh là là, ça sent la revanche là? Oh putain! La charge! Oh la charge de bourrin! On dira un ennemi qui a nous survivant, mais trop! Mais trop! On s'en fait un dernier ou pas? Allez, dernier mon Zack, allez vas-y là! Comme ça, ben moi je garde Burnov! Et puis, bah vas-y, change de perso, prends-en un autre là! Qu'on voit un peu les différents persos là! Qui c'est que je pourrais prendre? Dalton, oh le Dalton il a l'air d'être méga ricain. Bah t'as le ninja sinon là. Vas-y tu fais comme tu sens là. Alors. Ouais mais pour 10 francs t'en prends plein les yeux, ouais. Bah ben, c'est pour les jeux Jaleco, ouais. Mais ça coûte plus 10 francs maintenant mon Olive. Ouya. Oh la vache. Oh ce. Ce jeu de bœuf. Comment t'as spammé? Comment t'as spammé comme un bâtard?
Salut Amilcar. J'ai essayé de prendre quelque chose, mais ça vous... il n'y a rien qui est sorti. Cette coupe de cheveux que t'as, on dirait muscle or, c'est excellent. Allez, j'arrive. Voilà, je te charge. Oh la vache, oh la vache. Comment que j'ai fait ça? Je sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai rien compris. Ah, 176, hein. C'est combien de temps la round? Oh la vache. Oh, il est complètement pété, ce mec. C'était rapide, hein. Ouais. Allez, vas-y, fais ton petit coup de pied de merde, là, vas-y, là. Oh putain, c'est abusé. Allez. Oh, c'est quoi cette double? Oh là là, oh là. Putain de merde. Bon, je capitule, hein. Oh la vache. Oh, je t'ai eu dans l'entrejambe, là. Regarde-moi ce tas de graisse, là. Bon, allez, next. Oh putain, qu'est-ce que c'est rigolo. Donc, on a dit Matri Mêlée. Ouais, c'est bon, il a fini, là. Tiens, je te vois, Zach. Attends, Matt, deux secondes. Ouais. Hein, ah bah attends, je vais pas te challenger, je vais faire test game, je vais le lancer tout seul, comme ça je vais faire les... Je vais faire mes inputs, puis je te challenge après, là. Voilà, comme ça on fait nos inputs en solo. D'où il n'y a pas les inputs? Paul, moralité de ce double dragon, le bourrinage a toujours raison. Ah bah oui. Bon, alors c'est bizarre, j'ai pas les inputs. What the fuck? Attends. Je vais baisser le son, là. Ah, il est en double. Attends. C'est pour ça, il est en double. Voilà, on va baisser un peu le son. Ah, le son du Matri Mêlée, les mecs, il est juste exceptionnel. Hein. Bon, alors par contre, je sais pas comment on fait. F5, pour les configs de touche, ça marche, mon requin. Ouais. Ah, voilà, super. Merci, mon requin. Putain, heureusement que t'es là. Voilà. Alors, là, ouais, on voit que c'est tardif, hein, dans la... La production Néo, regardez l'intro les mecs, c'est un truc de ouf hein. Alors, bon bah c'est bon Mozak, je vais te challenger. Voilà, toc. Salut Roro. Je t'ai challengé mon... Attends, j'arrive. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète. Le boss de jeu est tellement pété, ouais bah ils sont tous pétés. Mais alors du coup, dedans on va retrouver Pépé. Pépé de Rage of the Dragon, il est dedans. Mais après je suis pas trop fan moi. Player Select, allez c'est parti. Donc, qui c'est qu'on a? Voilà, Pépé, il est là. Ah oui, il y a le ninja, là, attends. Ouais. Ouais, regardez Pushy, comment il ressemble à rien, quoi. Vas-y, je vais le prendre. Comment ça se fait que je peux pas bouger mon personnage? Ah bah, faut que tu remappes les touches, peut-être. Bon, attends, je vais le faire, et après, on fait un reset. Ça doit être les touches, là. Ouais, effectivement. 2002, mon DG, les cartouches sont pas celles d'Art of Fighting. Ah bah oui. Bah là, il fait 600... Enfin, plus de 600, hein. Plus de 600 mecs, hein, le Matri. Du coup, alors, attends, donc, ah, voilà. Ok, c'est bon, donc c'est petit point, gros petit pied. Gros point, gros pied. Tu me dis quand t'es prêt, mon Zach? Ouais, c'est bon, hein. C'est bon, on y va? Allez, go. Donc, en gros, c'est Rage of the Dragon, hein, presque. Hein. Mais les persos étaient chelous, j'ai pas aimé le roster. Alors ça, c'est pas le premier épisode, en fait, hein. C'est une saga, c'est Power Instinct. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Power Instinct de Atlus. Ouais, ouais. Il y a le 1 sur Mega Drive PlayStation, le 2 sur... Non, le 1 sur Super Nintendo Mega Drive, pardon. D'accord. Et le 2 sur PlayStation. Alors, je sais même pas comment on sort les coups, là. Bon, bah là, c'est moins raide que dans mes souvenirs, hein. J'arrive à jouer, mais... C'est le... Ouais. Le roster, il est vraiment pas ouf, hein. Et les gars, il était bradé... Oh, la furie. Il était bradé à 180$ neuf. Personne en voulait. Personne en voulait de ce Matri Mêlée. Il n'arrivait pas à se vendre sur le Neo Store. Ce jeu est un bon gros troll pour se moquer des joueurs. Ah bah là, ouais. Oh, le cancel de la furie avec ce petit point de merde. Écoutez-moi la musique, les gars, c'est n'importe quoi. Alors, je sais même pas comment on fait la furie avec ce mec, là. C'est n'importe quoi, ça ressemble à rien. C'est vraiment chelou. Oh, ta furie, elle est useless, mon Zach. Bon, alors. Avec l'épaule full paymore, c'était chelou les jeux. Ouais, c'est ça, Oli, ouais. Pourtant, Rage of Dragon, on va le mettre après, hein, mais Rage of Dragon, il est tellement au-dessus. Mais tellement au-dessus, quoi. Décidément, les temps sont comme les œufs, sont dits, ouais. C'est ça.
Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a eu des conversions console? Il me semble qu'il est sorti sur PS2, ce Matrimêlé, les gars. Il a été converti sur PS2, il me semble. Mon Joypad, comment tu vas, mon Joypad? Alors. Ouais, j'ai un coup d'épaule, là. Les bruitages, c'est les mêmes que Rage of Dragon, hein. Franchement, c'est la même réal. La musique est de bonne qualité, mais elle est vraiment chelou, quoi. Et voilà, hop. Tu vas pouvoir changer de perso, Zach. Ah ouais, parce que là... Mmh. Ouais, là, le grand-père, là, il... Non, mais regarde-moi la tête de mon perso, quoi. C'est juste... Alors, ouais, Ninja Master, on va le mettre, je pense, requin, ouais. Il est excellent, hein, Ninja Master, il est excellent, vous allez voir. Alors, mon Ben, comment tu vas, mon Ben? Avec cette Zik, il manque plus qu'un perso de Sho Aniki. Alors, c'est quoi, c'est un manga, ça? Salut, disque dur HD. Comment tu vas? Oh, le roster, je l'avais trouvé minable. Ah, c'est Reggie. C'est Reggie, il s'appelle. Je croyais que c'était Pépé, moi. Je croyais que c'était Pépé de Double Dragon. Normalement, c'est... Enfin, pas de Rage of Dragon. Normalement, il ressemble, hein. Un mec costumé en clébard. Ouais, t'as vu, Herbert, c'est un truc de ouf. Mais c'est n'importe quoi, putain, mais c'est... Il est chelou, ce jeu, mais c'est un truc de ouf. Là, les gars, on est vraiment dans les seconds couteaux, là. Matrimêlé, on est en plein dedans. Là, le vieil anti-air, là. Là, tu peux rien faire, c'est un truc de ouf. Il y a les roulades à la coffe, hein, mon Zach, hein. Là, je viens de voir, là. Ouais. Bon, c'est pas terrible, hein. Ouais, il est pas ouf, hein. Ah bah là c'est vraiment du second couteau, hein. Allez bam. Allez, en fait il est pas mauvais, faut pas jouer comme un street ou un... Ouais mais c'est ça se voit, mon requin. Je pense qu'il a, ses qualités, mais moi j'aime pas l'ambiance, quoi. Il est vraiment trop what the fuck, en fait. C'est trop barré, quoi. Après techniquement bon, il est... Voilà, c'est pas mal foutu, quoi. Là, écoutez la musique chantée, les mecs, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est le jeu Néo qui aura la meilleure OST, les mecs, hein. Enfin, même niveau qualité, je parle, hein. C'est un truc de fou, hein. Cyberdad, faut que je me trouve une Neo Geo. Oh là, ça vaut cher, hein. Ça vaut cher, Cyberdad, hein, une Néo, maintenant. Allez, le Zach, il va gagner. Ah, merde. Tu m'as botté le cul. Alors, il y a un pote qui avait parlé du background du jeu, ouais. C'est ultra malaisant et les paroles de la musique sont trash. Ah ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Bah, de toute façon, le jeu c'est mal STV, hein. Regarde mon perso, quoi. Regarde mon perso, c'est mal STV, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je connais pas les coups de sa furie à lui, là. Alors, pour de l'AES, c'est qualité CD. Ah oui, carrément, hein. Ah ouais, la musique c'est qualité CD, les gars, hein. Là, y'a aucun problème, hein. Oh là là, j'ai cancel. Putain, mais ce coup, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais... Bah voilà, je t'ai gradouillé. C'est n'importe quoi. Bon, on passe au suivant, mon Zach. Ouais, vas-y. Combien de mecs, j'aurais pas... Oh, ça devait être du... Je sais plus, 539, peut-être, si je dis pas de conneries, Matrimêlé. Ouais, c'était pas, on était pas, je crois, j'ai dit 600, mais non, c'était en dessous du 600, je crois. À quoi on joue, mon Zach, là? Bon, bah, on en a fait 5, maintenant, on va en faire 5 autres. Ouais. Donc, on va faire maintenant le SVC Chaos. Ah, tu proposes un petit SVC, là? Allez. Allez, le SVC, les gars, là. Ah, merde, attends, faut que je ressorte, là, parce que là, faut surtout pas que je clique dans la fenêtre noire. Voilà. Ok, alors, voilà, c'est bon. Oh, il y a du monde. Oh là là, regardez, les gars. Putain, il est joué, le SVC, là. Alors, je suis dans la room, hein, mon Zach, c'est bon, je t'attends. Pareil. Ah bah si, t'es là, c'est bon. Hop, voilà. Ah merde, on n'a pas mappé les bouches. Ah, par contre, je vais te faire chier. Je vais te faire chier, mon Zach, je vais prendre Hugo. Voilà, parce que Hugo, il est dedans. Ah, tu prends qui tu veux. Mais tu vas, tu vas voir la taille du Hugo. Mais tu vas te dire, c'est pas possible. La taille du Hugo, c'est n'importe quoi, les mecs. Il est tellement grand, il y a sa tête qui dépasse là, sur les barres de vie, quoi.
Vous allez voir les gars, c'est n'importe quoi. Ok, alors. Ah bah là c'est bien, on a tous les persos. Ah bah si, il y a Goenis. Mais je voulais merde, je voulais pas Goenis. Attends, on va relancer. Parce que là on a tous les persos débloqués. Attends, je te re-challenge mon Zach. Je me suis chopé sur Xbox il y a peu. Il est très bon hein, sur Xbox, Gianni. Et puis tu maintiens start enfoncé, ça te met les versions annexes des personnages. Donc très très bonne version hein. Tu vois, moi j'avais fait un vieux versus Xbox contre version AES. Et il se tient très bien hein. Ah, regardez, non mais je vais Hugo, c'est n'importe quoi. Salut Claudie, comment que tu vas? La taille du Hugo, regardez la taille du Hugo. Il est deux fois plus grand que Thierry, c'est n'importe quoi. Regarde mon sac, c'est n'importe quoi. Ah, c'est quoi ça? C'est la tour Eiffel là. C'est n'importe quoi, je te jure. Bon alors, faut que je me remette dans le bain. Voilà, sinon... Bon alors. Ok, Razine ta colle. Voilà, ça c'est les calottes ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Yes. Oh là là, il va avoir Bobo. Le Thierry Bogard. Bon alors vas-y la furie, putain, c'est quand tu veux là. Oh, je sais plus, mais normalement c'est deux quarts avant là. Les gens se plaignent de l'ambiance graphique du jeu, soit ils ont trop vide. Ouais. Mais c'est le chaos et l'apocalypse. Ouais, ouais, bah c'est cohérent, hein. Oui, oui, bien sûr. On le cancel. Ah, dommage. Oh putain, normalement je passais là. On le kickback. Voilà, là ça va faire mal. Oh putain, ce cancel de ouf. Oh putain, le reversal. Ouais, le Hugo, il va prendre cher. Oh merde, d'où je t'attrape pas là. Ouais, pas de garde basse avec lui. Ah oh, dommage. Oh, tu m'as démonté mon Hugo là. Oui, pas que je démonte un ouais, ouais. Un SNK Capcom 2 reste un best-seller pour moi. Oui. Mais SNK Capcom 2, c'est pas le même, hein, Cyberdad. Hein. Bon, allez, on va prendre un perso un peu plus conventionnel. Tiens, je vais prendre mon Yori, tiens, allez. Voilà. Toi, t'as ton Terry, là. Oh, les décors, là, c'est ouf, hein. Ah, il est super bien fait, hein, mais après, il est très terne, hein. Il est très terne dans... Bon, là, vous allez voir, les gars, on a l'impression de jouer à un coffre, hein. Là, c'est Terry versus Yori, vous allez voir, c'est coffre, hein. Oh là là, j'ai merdé le timing de ma furie. Le Zach, je l'ai bloqué dans le coin. Là, tu joues en mode coffre, hein, mon Zach. Hein. C'est, tu te mets en mode coffre et ça passe. Sauf que là, on est en 1 contre 1, quoi. Ah, putain, il a pas cancel. Ça, dans coffre, ça le cancel, ça. Voilà, là, c'est moi qui passe. Yes, bien joué. Oh là là, je passe. Non. Il est excellent, je vais sur Dreamcast, Gamecube, choix, ouais. Ouais, alors ça c'est SNK Capcom 2. Ça c'est Capcom qui l'a fait. Ça, ce SVC Chaos, là c'est SNK. C'est le seul qu'SNK a fait d'ailleurs. Hein. Même à l'époque, c'était un avis mitigé. Hein. Faudrait que je vous en fasse un test. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'en fasse un test. À mon avis, c'est peut-être le prochain jeu Neo que je vais faire un test celui-là. Tu sais, t'as l'impression que ça ressemble à un board game. À quoi? À un board game, genre, c'est les jeux... comment dirais-je? Tu sais que tu vois, là, tu sais... Enfin, c'est pas des vrais jeux, en fait. C'est des jeux qui sont faits à partir d'un moteur. Ah, ouais, d'accord. Ouais, un truc fan-made, quoi. C'est pas le bon terme que j'utilise. Ouais, ouais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Alors. Ouais. Bon, alors, c'est pareil, je repasse. La même que tout à l'heure. Ouais. Oh là là! Oh là là, je le prends là ce coup-ci là! Et là je passe. Ah mais il passe tout! Cette furie elle passe tout hein! Mugen il dit requin visqueux, c'est Mugen! C'est ce que je voulais dire. Ah putain, tu m'as eu avec un gros point!
Mugen, voilà, c'est ça. Mugen, c'est requin. C'est le mot que je cherchais, en fait. Ouais, ouais. Oh là là, dommage. Oh, le Zach, il remonte, là. Le Zach, pas content. Mais ça va, c'est jouable, les gars, hein. Oui, largement. Non, ouais, ouais. Bon, puis voilà, là, on peut jouer avec Ken et Ryu sur Neo Geo, quoi, vous imaginez. On l'attendait, celui-là. Hein. Ah, dommage. Ouais, puis les bruitages, les impacts, c'est pas ouf, quoi. Merde. Le petit point, t'as vu le cancel de ouf? Ouais, j'ai vu ça. Putain, c'est n'importe quoi. Oh là là, oh bah la furie qui sortait pas là. Bon, c'est pas, mais j'en avais pas. Alors, il est super, il y a juste des. Il y a des Just Defense. Ouais, mais il y a des trucs à faire dedans. Hein. Bon, on fait un dernier match, mon Zach là? Ouais, vas-y, limite, prends un personnage de Capcom pour voir. Allez, bah je vais prendre. Tiens, je vais prendre Ken, allez. Très bien. Allez, on va prendre Ken. Voilà, regardez, Ken. Ken sur Neo Geo. Ouais, il y a Red Arriver, exactement. Il est plus subtil, hein, on avait commencé à... Ouais, non, mais requin, il est pas mal, hein. C'est juste, en fait, les décors un peu ternes, les graphismes qui... Voilà, qui gênaient un petit peu, mais il y a matière. Moi, j'étais déçu à l'époque, hein. Franchement, c'était douche froide. Quand il était sorti, c'était douche froide, mais après, à force d'y jouer, à la longue... En fait, plus on avance dans le temps, plus je le réévalue, en fait, ce Capcom SNK, quoi. Show you up. Regardez, ça fait bizarre les mecs, hein, de voir Ken contre Terry Bogard. Oh là là, dommage. Oh là là. Show you up. Oh, dommage. Voilà. Donc c'est bas, diagonale bas avant, hein, pour faire la grosse balayette, parce que là ça se joue en 4 boutons. Hein. On n'est pas à 6 boutons comme un street normal. Allez, je suis mort. Là. Oh putain, même pas. Oh là là, un petit point. Ken est bien cool à jouer dans Street 6, t'essayes DG, d'accord. Bah oui, de toute façon, bon, Street 6, faudra bien que j'y joue un jour ou l'autre. Hein. Show you a peur. Je sais même plus comment on fait les chops. Ah voilà, c'est CD en même temps faire les chops. Oh là là, le... Merde. Le Zad qui a la barre de furie à fond. Ah, dommage. Je touchais qu'au début. Oh merde, je l'ai pris là. Ah, le Zach, il est chaud, les gars, là. Mais ça va, c'est assez jouable, hein. Non, ça va, c'est plutôt agréable. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bonne si, en fait, si tu joues à KOF 2003, c'est un peu le même feeling. On est assez proche d'un KOF 2003, même niveau feeling. Le Zach, il va gagner au time. Oh là là, oh putain. Oh putain. Oh, il restait 2 secondes. Sympa le filtre de CRT, ouais. Salut Nabets. Ouais, c'est Requin justement qui m'a indiqué ce filtre. Ah, il est super. Le rendu, il est excellent, les gars. Le Zach, je l'ai surpris avec le petit Tetsumaki. Voilà. Tu pensais que j'allais faire le grand. Oh merde. Ah, c'est moi qui voulais faire Dragon Punch. Mais d'où ça sort pas là? Putain, c'est deux quarts avant, ça sort pas. Oh là là, le cancel, ça passe à travers. Y a pas de course, hein, c'est des dash, les gars. Hein. C'est à la coffre, comme les vieux coffres. Ah merde, tiens, il a cette furie aussi. Alors, oh, le Ken, ça fait un bouton que j'ai pas joué avec lui. Oh, le cancel. Ah, le Zach, il va gagner là encore. Hadouken.
Ça fait bizarre d'entendre ça sur Néo, les gars. Allez, bien joué, mon Zach, là. T'as gagné les 3 matchs, là. Allez, on change de jeu, là. Ouais, ouais, c'est bon. On va changer, ouais. Donc, c'est vraiment pas mal, hein, agréable surprise. C'est à creuser, c'est à creuser, c'est à creuser. Mais moi, j'étais déçu, hein. Il y a 20 ans, quand il est sorti, j'étais déçu. Mais plus j'y joue, plus je le réévalue, en fait. Il y a des choses à faire avec ce jeu. Après, voilà, c'est pas une daube, hein, je veux dire. Aucun problème. Tu veux jouer à quel jeu, mon Zach? Ça fait un bon second couteau quand même. Hein. Mais il vaut très très cher, je crois, aujourd'hui, ce jeu. Moi, alors, je l'ai acheté il y a quelques années. Bon, il y a peut-être, je sais pas, 6-7 ans maintenant, 8 ans. Je l'ai acheté en US, il est derrière. Je l'avais payé 390€. Maintenant, il vaut, je sais pas, 1000-1500 peut-être, j'en sais rien. Il a mis du temps à monter, celui-là, à côté, quoi. Personne n'en voulait, ouais. En fait. Donc, quel jeu on fait, mon Zach, là? Breakers Revenge. Ah, on fait un Breakers, finalement? Bah, ah non, pardon. C'est vrai qu'on avait dit qu'on le gardait, celui-là, pardon. Voilà, pardon. On fera dans un autre stream. Il n'y a pas Ninja Master, non? Ouais, Ninja Master, après Rage of Dragon. Allez, Ninja Master, c'est parti. Je vais prendre le premier. Celui-là, il est excellent, les mecs. Hein. Le Ninja Master, les mecs, c'est ADK qui l'a fait. Alors, attends, je vais faire test game. Voilà, je vais faire mes inputs. Kizuna Counter, second couteau ou pas pour vous? Oui! Oui, ça, moi, ça va, je règne. Et Kizuna, je les mets en second couteau, requin perso. Et en fait, on va pas les faire dans ce stream parce que je pense qu'on va faire un stream Art of Fighting. Et puis, vu que Savage Reign, je trouve que ça ressemble pas mal à Art of Fighting 2 au niveau brutalité. Je pense qu'on va les faire à ce moment-là. Voilà, c'est bon. 96, un Ninja Master. Tiens, je te challenge, mon Zach. Alpha Aquarius, Breakers, le jeu des vrais. Ouais, on va pas le faire. On le mettra dans un stream spécial, celui-là. Cyberdad, j'ai pris une Series S convaincue par ta vidéo, ouais. Trouvé sur le bon coin un prix indécent, ouais. Ah, dis-moi combien que tu l'as eu là, parce que la Series S maintenant, je suis sûr. Allez, laisse-moi deviner, Cyberdad, tu l'as eu à. Merde, ça marche pas, mon Zach. Ouais, est-ce que j'ai eu un problème comme tout à l'heure, donc il faut passer par le FC1. Alors attends, on va prendre le FC1 alors, c'est pas grave. Je suis sûr que tu l'as eu à 120 balles, Cyberdad. Eh, tu te prends ça avec le Game Pass, pas de problème. T'es bon. Pourtant j'étais dans le FC1. C'est FC2 tu veux dire? Non, j'étais dans le FC2 moi, hein. Bah attends. Dans le FC1. Attends. Le premier c'est FC1, bon, celui qui est tout à gauche c'est FC1. Bah vas-y parce que je suis tout seul de toute façon, donc c'est là. Cyberdad, tu l'as eu à 80 balles. Arrête. Mais sans la boîte, je veux dire la console en loose, la manette et les câbles, quoi. FC2, donc t'es où mon Zach, FC1 ou FC2? Je suis en FC1, ouais, parce que FC2 ne marche pas. D'accord, FC1, j'arrive. La vache, moins cher qu'une 3-6. C'est un truc de malade, les mecs. 80 balles, Cyberdad. C'est incroyable. 80 balles, une Series S. Non, mais c'est un truc de fou, les mecs. Hein. Ça, tu prends le Game Pass, c'est bon. Hein. Incroyable. Oh, la décote. La décote de la console. Console, deux manettes en loose. Avec deux manettes en plus. Ouais, enfin, hey, c'est le prix des deux manettes. T'as eu la console gratuite. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, putain. Et du coup, est-ce que t'es content de ton achat, Cyberdad? Vas-y, dis. À quel jeu t'as joué, là? Vas-y. Donne-nous des petits exemples. Zach, faut juste quitter la room et revenir. Voilà. Le FC1 passe pas parce que vous êtes sur le FC2. Alors, attends. Bah, du coup, attends. On va retenter. Voilà, là, je vois Zach. C'est bon. Voilà, je te challenge, mon Zach. Coup de fusil. Ah, bah, ouais. Non, mais là, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, salut, mon Lowin. Hein. Bisous à toi. Bonne soirée. Alors. Salut, Lowin. Voilà, ça charge là, Fight 4, connecting to server. Voilà, c'est j'ai bon là. Encore un problème avec ce jeu aussi. Ah merde. Bah si ça marche pas. Ah, t'es sur Cyberpunk? T'as vu, il marche bien hein, sur Series S. Fais gaffe, il y a des bugs de sauvegarde et des bugs de script. Attends, il charge la ROM là. Je sais pas, j'avais un problème tout à l'heure, là il vient de le faire. Bon bah vas-y. Pas fait tout à l'heure. Vas-y. Donc là en FC2. FC2. Là on est en FC1. Ouais. Attends, bouge pas. Il y a un petit souci là, je sais pas, c'est vraiment bizarre qu'il n'ait pas téléchargé dans un premier temps. Je retourne en FC2 là. Voilà, FC2, hop, on est parti. Parce que ouais, voilà. Normalement ça va marcher, c'est bon. Ouais, t'as vu Cyberdad hein, il tourne bien le Cyberpunk dessus hein. Franchement, et en 60 FPS, tout, il est propre hein. Salut Larcher, comment que tu vas? Salut Larcher. Alors, j'ai rien pour l'instant. Moi, j'ai des bugs de sauvegarde et des bugs de script. Tu sais, genre, t'as les sauvegardes automatiques et ça reste... Ah bah c'est bon, il est déjà configué. Et puis, tu sais, ça reste en bas, puis ça empêche les scripts de se déclencher. Donc, dans ces cas-là, faut quitter le jeu, hein, complètement. Reiga, Kazaru, machin. Vas-y, je vais essayer le gros bœuf en bas, là.
Mais ce jeu-là, les mecs, c'est vraiment une hidden gem. Hein. Le Ninja Master, lui, j'y ai joué sur. J'ai eu la chance d'y jouer sur AES. Ok, voilà, on est reparti, les gars. Il y a eu une coupure. Voilà, Monzac, t'es toujours là, tu m'entends? Ouais, je suis là. Nickel, bon, on va relancer, les gars. Ça voilà. Roule. Faites F5. Tiens, vas-y, ouais, mets dans le chat de faire F5, s'il te plaît, Monzac. Ouais, c'est bon, j'ai voilà. Déjà dit. Nickel, top. Bon, bah, c'est bien là. Je relance Fight 4, parce que c'est pareil, Fight 4, j'ai été coupé. Alors, du coup, Ninja Master, FC2. Voilà, c'est bon, je suis là. Je suis là. Voilà, c'est bon. Je te re-challenge, Monzac. Riddick 136, ouais, mais c'est le rebootage, ça. C'est le reboot, mon Riddick. Ça va redescendre après, je pense. Voilà, parce qu'on était. Bon, on était presque une centaine, hein, au moment que ça déco. Ok, alors. Voilà, on est reparti. Reiga, voilà, on est reparti, les gars. Alors, voilà. Hop, ça, je vais faire ça comme ça. Voilà. Bob Retro Gamer, comment que tu vas, Bob? Ouais, pas mal de soucis. Ouais, même chez vous en France, là, parce qu'en Tunisie, là, c'est. C'est compliqué, là. Hein. Et donc, regardez la caractéristique de gameplay. Attends, je crois qu'on fait baisser. Voilà, quand on fait baisser, on peut sortir nos armes, les gars. Donc, soit on joue à main nue, soit on joue avec des armes. Ça, vas-y, fais baisser, mon Zach, tu vas sortir tes armes. Normalement, il a deux couteaux, lui, je crois. C'est baisser en même temps. Faut bien. Voilà, voilà, t'as vu? Et baisser, on les range. C'est un truc de fou, hein. Et donc, on peut jouer comme on veut. Les décors, enfin, les sprites sont un peu petits, mais le jeu, il est vraiment excellent, les mecs, hein. Lui, pour avoir eu la chance d'y avoir joué sur AES, les mecs, il est exceptionnel. Hein. Ça, c'est vraiment une hidden gem. Hein. Ah, tu m'as désarmé. Oh là, tu m'as démonté là. Ça va, j'arrive au bon moment. Exactement. Les combos, c'est ABC. Faut pas hésiter, c'est auto-combo. D'accord. Joli pixel art, ouais. Alors. J'ai pas dû prendre le bon perso là. Il est un peu lent. Salut Goemon. Comment tu vas? Alors. Tu as la Neo Geo, bien sûr, j'ai la Neo Geo, Goemon. Alors, salut mon Clodo. Comment que tu vas, mon Clodo? Oh là là, j'ai rien branlé avec ce perso, c'est un truc de fou. On va en essayer un autre. Salut Star Fox. Et les gars, c'est Alpha Denshi qui l'a fait, hein. Alors, continue, voilà. Hop, on va changer, on va essayer un autre perso. Bon. Dis-moi, Paul, concrètement, ADK, pour toi, qu'est-ce que t'as comme bon jeu ADK potable sur Neo Geo, à part celui-là et Magician Lord? Ah oui, à voir. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a le Aggressor of Dark Combat, mais qui est un petit peu... Tiens, je vais prendre la meuf, là. Alors, il est en dessous, quand même. Ouais, il est en dessous, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, déjà? Il y a... Si, c'est Alpha Denshi. Donc, Bon, il y a les World Heroes. Ah, voilà. Ouais, si, World Heroes Perfect, quand même. World Heroes Perfect, c'est vraiment l'aboutissement d'une série, hein. Ouais, je vais sortir mon arme. Alors, je sais plus comment on y joue à celui-là. Alors, y'a Star Fox, merci pour l'abonnement, mon Star Fox. Salut Xavier. Oui, Ninja Commando, mon Ben. Oui, exact. Oui. Bien sûr, Ninja Commando, il est excellent. Ah oui, Ninja Commando, oui. C'est vrai. Ouais. C'est Alpha Denshi, c'est vrai. Alpha Mission. Non, Alpha Mission, c'est SNK, Kamel. Voilà, le Zach, il va me déchirer à ce jeu-là. Alors. Ah oui, Twinkle Star Sprite, exact, ouais. Moi, je suis pas fan. Qui gagne cette touche acharnée sur des versus Néo? Oh, clochard, un coup je gagne, un coup c'est Zach, ça dépend des jeux. Voilà, mais là, on joue vraiment pour s'amuser. Ouais, découvrir des seconds couteaux qui, parfois, en valent le coup. Et tu as joué un peu à Rage of Dragon, Zach? Vite fait. Oh, il est excellent. Le Rage of Dragon, bon, il est... Là, on garde le meilleur pour la fin. Ah ouais, il est excellent, hein. Franchement, tu vas voir. Là, déjà, on s'amuse un peu plus, je trouve. Ouais, non, il est cool, hein. Franchement, c'est une bonne alternative au Samurai Shodown, celui-là. Ce petit ADK, là. Enfin, pas ADK, le Ninja Master, justement. Putain, mais d'où tu perds pas de vie, putain? Je te frappe, regarde. Puis moi, j'arrive dans le rouge. C'est un truc de fou. Parce que t'es une femme, gros macho. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est bien, vous êtes à peu près au même niveau. Ouais, clochard, ouais, ça dépend des jeux, ouais, mais globalement, oui. Globalement, oui. Alors, ah oui, il faut que je rappuie sur start, voilà. J'aime pas les VS où ça zoom, dézoom, ouais. Ouais, après c'est... Elle s'appelle Natsume, mais je vais la kiffer, elle. Vas-y, je vais reprendre une meuf, là. Alors, bonjour Jericho. Comment que tu vas? Zad, carton jaune. Ça va, on pardonne. C'est une blague, hein, c'est bon. Mais bien sûr, allez, vas-y. Sérieux, là, hein, pas déconner. Hein. Évidemment, les mecs.
Alors, bon, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose avec elle, peut-être, là? Enfin, bordel. Voilà, histoire de faire bobo au Zach. C'est toi qui vas avoir bobo, mon c'est petit mamie. C'est toi qui vas avoir bobo, mon petit Robert. Y a aucun coup qui sort, je sais même pas, putain. Voilà, caravan, ok, d'accord. Voilà, le Zach, il met deux coups. Il met deux coups, je suis mort. C'est un truc de fou, hein. Moi, putain, je t'ai mis je sais pas combien de coups, moi 17. Le mec, il perd à peine la moitié de sa barre. Ou alors, il y a un problème d'handicap ou quelque chose. C'est pas de la muscu, ma chérie, hein. C'est un truc de fou, là. Le mec, ça recommence, tu sais. Ta place est dans la cuisine. Ah, ça y est, enfin un combo qui sort, là. Merde. Mais sors un Dragon Punch, putain, fais quelque chose, là. Femme. Bordel. Je suis presque mort, déjà, c'est un truc de ouf. Ouais, mais Zach, il a pris le meilleur perso, là. Mais j'aime bien le système de... Voilà, on peut ranger nos armes et tout quand on veut, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Bon, allez, on se fait un rage, finalement. Allez, faisons-nous un Rage of Dragon, ouais. Allez, le Rage of Dragon. Alors, vous allez voir, les gars, c'est du haut de gamme. Hein. Ah, le Rage, il est exceptionnel. Je vais te montrer vite fait comment on joue, mon Zach. Parce qu'il a un game design... Il a un game design un peu particulier. Alors, Rage of Dragon, voilà, FC2. On est parti. Ça charge. Ça voilà, c'est rapide. Bon. L'homme au bistrot, la femme au fourneau. Voilà, c'est ça, mon Star Fox. Ok, mon Zach, c'est bon. Tiens, je te challenge là. Allons-y. Voilà. Je sais plus si j'ai. Je sais pas si j'ai fait les touches là. On va voir. Celui-là, je l'ai pas acheté à l'époque. Grave erreur. Du coup, bah, j'ai acheté une couverte. J'ai acheté une. Celui-là, je l'ai vu. Ouais, j'ai acheté une couverte Jap. Il était à 4000 francs. 4000 balles, il vaut maintenant celui-là. Ouais, il était quasiment à 4000. Hein. Je crois quoi. Que c'était du 3800, un truc comme ça. Hein. N'importe quoi. Ça se joue en deux persos, hein, mon Zach. Faut choisir deux persos. Attends, d'abord, je fais les inputs. Ouais. Alors. Moi, je vais prendre. Attends. Ah, putain. J'ai même pas eu le temps de choisir. Ouais, bah pareil. Bon, c'est pas grave, j'en ai un sur deux là. Donc, attends, je te montre, mon Zach. Je te montre comment on y joue. Elle donc ressemble à mature dans le coffre. Ouais, t'as le A c'est petit point, le B petit pied, le C gros point, le D gros pied, classique. Regarde, si tu fais CD, alors déjà on a les roulades, comme coffre, tu vois. Si on fait CD, ça fait un gros coup. Et alors, attends, regarde. Tu me fais un gros coup, et là tu vois nos barres de furie en dessous. Eh bien, il y a une série de 5 boutons qui va apparaître. T'appuies dessus, puis ça fait un combo automatique en fait. Vas-y, tape-moi là. Voilà, t'as vu, regarde. AA, c'est CD pour toi. Vas-y, refais. AA, c'est CD. C'est toujours le même. En fonction des persos que tu prends, c'est toujours ouf, le même. Si t'appuies sur BC, ça permet de changer de personnage. Tu vois, change OK. Voilà, change OK, voilà, tu vois. Il faut attendre que la barre de change soit opérationnelle. Et en fait, ça se joue toujours en tag. Voilà. Après, bah sinon, c'est quart de cercle, machin, classique. Hein. Voilà. Donc c'est... On y va, mon Zach, on se bastonne. Ouais. Allez, c'est parti. Et là, il y a des gros jeux-gueules. Voilà, là, tu vois, je t'ai envoyé sur l'écran. Et voilà, là, on a cassé le truc. Et on peut faire des recovers et tout, c'est un truc de fou. Et il est ultra souple. À jouer niveau gameplay. Regarde, je te rechoppe là, t'as vu? Je t'ai fait un juggle. Et je peux te retoucher derrière, t'as vu? C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et c'est ultra souple à jouer, les mecs. Le gameplay, il est d'une souplesse absolue. Ouais, bien joué là. C'est le jeu Néo le plus souple à jouer. Avec. Merde, avec RBS, les mecs. C'est un truc de fou, quoi. Mon jambon Rodriguez, comment tu vas, mon jambon? Ouais, j'ai vu ton petit MP tout à l'heure. Ah, ça, c'est Sonia. Ouais, voilà, c'est Sonia, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, ils avaient la... En fait, ils développaient le jeu pour que ça soit... la suite, ça soit un double dragon, en fait. Et puis, je crois, au dernier moment, ils ont pas eu la licence, donc ils ont changé quelques noms de perso, adapté quelques trucs. Mais c'est spirituellement un double dragon en fait. Voilà. Alors attends, je sais même plus comment on y joue. Enfin, cette meuf, je la connais pas. Le curé que t'as, il est fort. Hein. Elias là. Alors sa furie, je la connais pas elle. Voilà, ok. Voilà, furie max. Et voilà, c'est bon.
Puis alors les bruits ils claquent, hein, putain, là quand on tape, on a vraiment une putain de sensation de... Putain de sensation de d'impact, de frappe. Ok. Ah vas-y, appuie sur start mon Zach. Voilà, c'est bon. Yes, tranquille. Normalement, je vais pas pouvoir changer, moi. Ouais, parce que là, on est vraiment en arcade. Pépé. Ouais, celui-là, il est fort. Ouais, voilà, à bobo, t'as à bobo, là. Ça, le mec au milieu, carrément. Ouais, hein. C'est à bobo. Abubo. Voilà, ils ont changé. Tu vois, c'est ce que je te disais. Vu qu'ils avaient pas le nom... Ah, Oni, il est méga fort. Moi, j'aime bien jouer... En général, moi, je joue avec le rouge, celui que j'ai, là, puis Oni. Voilà, je joue avec Jimmy, puis Oni, j'aime bien. Y'a pas à dire, les jeux de baston, c'est mieux à deux. Ah bah oui, mais faut jouer à deux. Jouer contre l'ordinateur, c'est pas intéressant. Bah c'est bien pour apprendre à jouer, en fait. Ouais, voilà, mais après c'est plus rigolo. Pour avoir le timing et tout le bazar. Ouais, voilà. Toi, t'aurais pu me reprendre. Tu vois, j'ai rebondi sur le mur, t'aurais pu me reprendre, là. Ah, comment il claque, les bruitages, comment il claque. C'est un truc de fou, putain. Il est sorti quand ? Celui-là, c'est 2000... dans le 2001, 2002, par là. Ouais, super tard. Ouais, non, il fait partie des... C'est pas SNK qui l'a fait, hein. Celui-là, c'était plus SNK. Hein. Alors, c'était qui, tiens ? Bah là, c'était les Coréens, hein. C'est Evoga qui l'ont fait, je crois, celui-là. C'est méga souple à jouer, les mecs, c'est un truc de fou. Ah oui, il y a le change. Voilà, t'as vu, je t'ai refait un Dragon Punch derrière. Voilà, t'as vu, c'est un truc de fou. Alors, les coups qu'on fait là-dedans. Ah, un barque. Faut connaître les persos aussi, là. Hein. Oh là là. Ah oui, bien sûr, c'est comme tout. Mais t'as vu, Zach, les inputs, ça sort tout seul, c'est un truc de fou. Ouais, c'est souple. Hein. Mais c'est ultra souple, les mecs. C'est un des jeux Néo les plus souples à jouer au niveau input. C'est incroyable. Voilà, là, je passe, je suis prio. Quand il y a le changement de perso, voilà, comme ça, on est prio. Oh là là, bien joué. Ah, je suis mort. Bam. Il me reste l'autre, là. Alors, c'est marrant comme les jeux 2D restent forts. Ah, mais c'est intemporel, les gars. Surtout un jeu... Oh, bah... Ah, je suis mort, merde. Il restait qu'une pichenette. Ah, bah, c'est bien, je vais pouvoir changer de perso. Nickel. Ah non, mais le Rage of Dragon, les mecs, va falloir que je vous en fasse un test un jour. Hein. Il est exceptionnel. Les gars, il est exceptionnel à jouer. Ça va, qu'est-ce que t'en penses, mon Zach ? Ah, il est exceptionnel, ouais. Ah, il est... Je comprends pourquoi il est aussi cher que ça. Ah ouais, non, il est excellent. On n'est pas justifié, quoi. Ah, et puis j'ai fait l'erreur de pas l'acheter, moi. Alors, ouais, bah, je vais reprendre Jimmy. Voilà, puis du coup, je vais prendre Oni. Voilà. Ça, c'est les deux persos avec lesquels je joue. En général, bah là je vais être un peu plus à l'aise. Normalement, la réal est cool, les bruitages sont cool. Enfin, c'est ultra impactant, la musique elle rend super bien. Voilà, et là juggle derrière, et je peux même te refaire une furie. Hein. J'ai voulu faire la furie, je me suis loupé. Sinon, tu la prenais là. Il a des juggles de ouf ce jeu. Regarde, t'as vu les combos qu'on fait. T'as vu mon Zach, c'est n'importe quoi. Je peux rien faire. Hein. Ouais, t'as vu? Là, je me suis loupé le juggle. Là. Voilà, là, c'est bon, là, tu vois, je suis à l'aise. Lui, il ressemble un peu à Yori, lui. Le Oni, là. Oh, putain de merde. Putain, tu fais chier que ta Sonia, là, c'est un truc de fou. Oh là là, la furie qui est passée. Voilà, prio. Voilà, et je te rechope là. Oh merde, j'ai loupé. Je t'avais fait le CD, j'ai loupé le timing. Ah les gars, il est excellent ce Rage of Dragon. Hein. T'as vu, qu'est-ce que t'en penses, Zach? Ah non, il est excellent. Ah, c'est une bombe. Hein. Faut le creuser. Ah les gars, moi je vous le dis, il y a de la concurrence en versus fighting, mais celui-là, c'est un des meilleurs. Hein. Franchement. Je regrette de pas m'être précipité à l'être acheté. Du coup, je l'ai en converte. Voilà, c'est bon. Toc. Allez, nickel. Alors, on va refaire un dernier match. Ah, il est vraiment excellent. Ça fait vraiment plaisir de vous le montrer en stream, celui-là, les gars.
le Rage of Dragon. Le Abubo, il est complètement pété, Zach. C'est le boss. Enfin, puis il y a un autre boss aussi derrière lui. Essaye, voilà, Billy. Billy, voilà, il est plus sur les coups de pied, lui. Ça, il joue comme Ryu et Ken. Hein. Voilà, lui, les coups de pied. La fille à côté de lui, elle est basique aussi. Elle est pas mal, si tu veux, là. Attends, tant que je prends pas l'autre fille, là. Je vais essayer, elle. Allez, vas-y. Blaze, c'est mieux la série S ou la One X? Bah, la série S, oui. Déjà, le SSD, donc les chargements vont plus vite. Tu vois, puis elle a toute l'architecture RDNA 2, tout ça, là, que l'autre n'a pas, tu vois. Et puis surtout, c'est la next-gen. Surtout, c'est de la next-gen. Toi, t'as des jeux... Bah, voyez, le RZ. Le RZ, il est que next-gen, les gars. Donc, sur One X, il marche pas. Alors que la One X pourrait le faire tourner, mais large, quoi. T'as vu, là, un bon feeling aussi, le Jimmy, t'as vu, là? Ouais, c'est pas mal. Et hop, t'as vu, je te renchaîne. Là, je me suis... Oh, putain, j'ai loupé le combo. Et hop, Fury. T'as vu, on a cassé le décor, là. En fait, t'as des juggles de ouf dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Hop, Prio encore. Alors, en revanche, la One X a 4 câbles. Ouais, c'est ça, le lecteur, bien sûr. Le lecteur Blu-ray que n'aura pas la série S, bien sûr. Ah, bien joué! Le changement de perso, là, mon Zach. Ouais, mais c'est mort, là. Ça fait vraiment partie du... Tu vois, le changement de perso, ça fait vraiment partie du gameplay, hein. C'est-à-dire, c'est comme Kizuna, en fait. Ouais, ouais, voilà, tu commences un combo, tu fais baisser, l'autre, il vient derrière, et puis, voilà, t'enchaînes de ouf, quoi. Voilà, t'as vu? Bon, bah, bien joué. Voilà. Non, mais c'est, voilà, moi, je sais y jouer, c'est normal. Mais tu vois, ce qui est important, c'est que tu comprennes le potentiel du jeu, c'est un truc de ouf. Non, bah, je vois qu'il est, ouais, je vois que techniquement, ça a l'air d'être assez dingue. Ah ouais, franchement, là, c'est un truc de ouf, là. Bon bah les gars, voilà, ça fait à peu près 1h15 qu'on joue. Tiens, on va arrêter là. Voilà, on va couper le Fight Card. Il restait le Carnage, mais on le fera ultérieurement. Ah oui, le Carnage Revenge. Ouais, c'est pas grave, on le fera. On pourra le faire ultérieurement, c'est un bon jeu. Ouais, on le fera une prochaine fois. Alors, on fera peut-être un stream spécial Carnage avec Breakers, on va voir. Ouais. Cyberdad, je prendrai en promo Starfield, ouais, juste pour faire le jeu au couteau en voyant ta vidéo. Ouais, alors vraiment grosse promo. Hein. Sinon, tu prends du Game Pass, hein. Tu prends du Game Pass, Cyberdad, hein, et puis tu joues avec le Game Pass, quoi. Ludo, bonne soirée. Bah ouais, les gars, on espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, mon Zach, hein, bah c'était super cool. Ouais, c'était sympa. Ça a permis aux gens de voir un petit peu le couteau et les retâter, quoi. Ouais, ouais. Non, franchement, c'était super cool. On a passé un bon moment. Tiens, on va voir pour faire un petit raid, les gars. Voilà, voir si on a un copain qui stream. Alors attends, ah oui, c'est vrai. Oh là là, putain, ils ont changé leur système de raid. C'est plus affiché maintenant qui c'est qui stream tout ça là. Putain, ça pète les couilles ça. Alors, je vais couper le son. Bah tiens, on a moi. Voilà, on va aller chez moi. Allez, je vais vous envoyer chez l'ami moi, les enfants. Et du coup, bah rendez-vous demain, hein, même endroit, même heure, hein, Twitch 18h. Voilà, il y a l'ami Nico qui m'a envoyé le remake du Dark Forces, les gars là. Le Star Wars Dark Forces, on va peut-être le faire sur PC, on va peut-être faire ça demain, les gars. Voir un peu la gueule qu'il a, là. On va voir, faut que je le télécharge, l'installe, faut que je vois si tout est OK, si ça marche. Et puis si ça marche, on va peut-être faire ça demain. Mon Zach, bah, je te fais des bises, et puis bah, on se rechoppe. Mmh. Hein, voilà, mardi prochain, comme d'hab. Voilà, Shenmue, bah Shenmue, voilà, bonjour, au revoir, parce que t'arrives en friend stream. Les gars, bises à vous, passez une bonne soirée, je vous envoie chez l'ami Moa. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.